On peut pas se permettre de faire la gueule parce qu'on a gagné. Je sais que t'es ultra altruiste et que t'aimes bien distribuer comme ça. Non, frérot, mais... c'est quand je vois mon poteau marqué, c'est smile de ouf. Que tu connais pas et après t'es. Après, t'es pas obligé de me punir 9 minutes. Non, mais je parle de celle-là parce que c'est celle-là, mais il y en a ouais, une. Ouais, mais pourquoi tu m'as puni 9 minutes? Je sais pas ce que j'avais. En plus, ça me tue parce que quand il rentre, t'as vu ce qu'il nous dit? Je l'ai ressenti qu'il fallait faire comme ça à l'instant T, j'ai le droit de me tromper aussi dans comment je devais te gérer. En gros, je veux pas faire le tueur ou quoi, tu vois. Mais je veux juste qu'on fasse équipe. T'es coach, tu me dis ouais, je veux que tu fasses ça, je le ferai. Il va falloir sacrément augmenter le ton. Que ça soit entre guillemets des mecs anciens de l'équipe qui défendent le plus par rapport à des jeunes, des mecs qui ont des cannes, qui peuvent défendre partout, tout terrain, tenir les duels et qu'au final, bah, je défends sur Samir et je suis ici. On va essayer de rajouter, il y a Papy qui jouera avec nous, ça c'est quasi, enfin c'est sûr même. Mael devrait rester toute la saison, donc il va faire sa licence, donc il est éligible à jouer ce week-end. Oui. Ça sera un gros focus défensif sur l'entraînement de jeudi. Ce soir, on ne perd que des matchs, ok, dans la transition, l'attaque de zone, un peu de tout. Allez, on commence avec Esprit. C'est d'aller trouver des choses. D'accord, essayez de continuer les actions, pas s'arrêter que sur le premier pick and roll. D'accord, mais uniquement la transition, rien d'autre. Deuxième, ça. Applique. Hop, tout le monde. Trois portes de balle. La phrase, c'est pas normal. On n'a pas le droit de faire plus de contre une équipe qui est deux divisions en dessous de nous. On est censé élever notre niveau de jeu, gros. Et comme dit Kevin, moi, nous le premier. Si on mettait 15 points chacun dans ce match, au lieu de gagner plus d'eau, on gagnait plus 30, c'est ça. Ça fait 6 ans qu'il a arrêté le basket, moi ça fait 5 ans que j'ai arrêté. Par contre, à partir de maintenant, concentré. Parce qu'au final, on croyait un peu qu'on était au-dessus du lot, alors qu'on l'est pas. Quand la balle elle vient là, premier temps, je regarde là-bas. Et derrière, je dois jouer avec un mec qui est en mouvement, enfin un mec qui est arrêté. Défendez pas. On attaque, on est perdu. Top, vous me fatiguez. Hein. La balle, elle vient là, je peux pas tirer main à main. C'est pas compliqué. C'est grand, okay. Merci. Encore, regardez. T'es chaud? Bah oui, j'avais l'intense avec la couleur tout à fait. Franchement, bien joué. Mec. Ça va? La main au dos? C'est comme ça une saison de basket. Il y a plein de facteurs sur lesquels on n'a pas le contrôle, c'est les blessures, l'arbitrage et tout ça. Mon corps de grand-père, faut pas filmer ça. Hier, j'ai remis les deux touches là avec ceux qui sont entraînés. On va simplifier, c'est bien plus efficace. Mathieu, il attend qu'un truc, c'est de tirer à 3 points là-bas. Tu prends l'info et après tu joues. Après, t'auras plus besoin de te précipiter. Regarder derrière moi, le poser, tout ça. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer quand t'auras le ballon? Je saurai déjà où est-ce que sont les défenseurs. Simple. Donc, du coup, tu sauras déjà où faire la passe. Il y a 10 secondes, j'ai dit je fais de la merde et là il fait. Une eau était claire comme de l'eau de roche. Oh, le choix de nous de pas prendre Papy, il a duré une semaine, gros. Ah, bienvenue dans l'équipe, Papy. Allez, on continue comme les 40 dernières années. Un petit sourire. Franchement, merci pour vos retours par rapport à l'épisode 1. Tout le monde m'a dit que c'était un épisode de fou. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez qu'à aller dans les commentaires, vous allez voir par vous-même. Bon, moi, si tu marques, tout le monde s'abonne à la chaîne. Par contre, si tu marques pas, c'est l'arrêt de ma chaîne et du projet, voire même de la mairie de Francheville. Momo, s'il te plaît. Momo, Momo. Ah Momo.
qui sauve la mairie de Francheville. Genre faudrait qu'ils ouvrent une cagnotte Litchi et qu'ils mettent chacun 1€. Ça fera 14 000 et quelques. Et après t'en fais quoi avec? Pour moi même. Je vais partir en vacances. Non, toi tu vas t'acheter des V-Bucks. Mais non, t'es mal. Comment il va? Ça le meilleur caméraman. Oh, t'as les yeux bien rouges, ça va, t'as passé ta journée sur les écrans. Défense, ce soir avant de partir sur le match samedi. Si on veut espérer ce week-end gagner, il va falloir que ça passe par là. Allez, début de l'entraînement, c'est maintenant. Let's go! Trois ateliers différents, changement de direction, print. Ici, plutôt de la pliométrie. Et là-bas, un peu d'explosivité haut du corps. Allez, ballon, dernière fois là. Franchement, c'est pas mal les gars, faut qu'on continue à travailler. Ça nous met un peu dedans en vrai, ça nous met un peu dedans parce qu'on a... Quand on est au complet, on a un bon effectif. En gros, le turnover, il est très compliqué dans notre équipe. Baissez-vous bien sur les abus là, faut travailler les gars. C'est quoi les bâtons bien? C'est un 3NG. C'est quoi ça? Ça rattrape pas, hein, défense. Comme James Harden, c'est un 3NOG. Avec la balle est là, tu frappes. Je vais venir, hein. Ah, ma femme, elle va se couper les cheveux, je crois. Je t'ai dit dimanche. Elle va pas me dégrader. Hein? Je sais pas, ouais, à blanc. Elle va faire ça. Ah, votre avis dans les commentaires, c'est qui est le plus fort à Fortnite entre Yessine et moi? C'est devant DM2, à chaque fois que je vais à l'échauffement, il fait des airballs. Ouais, bah, Dan, allez. Arrivé là-haut, pick and roll. Gamin. Il essaie d'avoir un peu de temps de jeu. Là, il est équipé, c'est compliqué. On essaye d'inventer des choses. D'accord, alors qu'on n'arrive pas à en faire une, trois quarts, la balle elle rentre, on va attraper. Ah, je te le dis, hein, c'est la moustache la plus dangereuse de l'équipe. Voilà. Putain, c'est à l'intérieur comme ça qu'il nous faut, renforcez-moi. C'est bien, papy. Les choses se déroulent bien, l'équipe elle avance, elle progresse. En vrai, là, ce que j'aime bien en ce moment, c'est qu'on répète souvent les mêmes exercices. Par contre, je pense que voilà, la semaine prochaine, on sera encore un peu plus fort. Après, viens là, la caméra elle fait pas la taille du gymnase. Tu me sens bien ou pas, Samji? Ouais, mais faut que tu viennes à la salle avec nous. J'étais là, moi. T'avais tes haltères et tout. C'est bon, vas-y, à Samji. J'ai un plus à prendre. Vas-y, les boys, prenez soin de vous. A tout à l'heure pour le match. Time! Grâce à toi, on va gagner ce soir. A toi de répondre, frère. Fortnite ou Modern Warfare 2? On attend que tu répondes en fait. Hein. Moi? Pardon, excuse-moi. Moi, c'est NW2. Alors que j'étais nul, hein, mais... La firme Kalos, je trouvais que c'était un problème. Kalos, toi? La firme Kalos. Ouais, et toi? Ça éteint Fortnite, matin, midi, soir. On voit le GPS, Pelo. Pas tout, frérot. Embrouille avec le coach, mais il y a même pas eu d'embrouille dans l'épisode. Et elle où l'embrouille? Un prochain épisode, je me tape contre deux supporters. Ça tourne mal. Fin de la vidéo, si tu veux, nous postiche comme ça. J'adore les ambiances dans la Loire et tout. Il y a toujours du monde dans le public. C'est des petites salles, mais c'est toujours chaud. La campagne, ça vous gagne, hein. Moi, je vous le dis. Monsieur.
La spéciale. La spéciale. Toujours. Ouais les mecs, bon c'est le début du championnat, projet R2, je sais pas si on va monter en R2 ou pas pour être honnête parce que notre équipe elle est pas suffisamment forte à l'heure actuelle. C'est tout l'intérêt de faire une série sur une saison. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils progressent de ouf. L'entraînement, on a fait une bonne semaine, donc là j'espère que ça va se concrétiser par une victoire. Premier match de la saison dans le championnat, ok, contre une équipe qui descend de R2. Rebond. Ils sont plus petits que nous. D'accord. Donc on doit dominer aussi bien en attaque qu'en défense. Sur ce point-là, petite salle, il va y avoir du monde, je pense. D'accord, ils ont déjà sorti les tambours pour gérer le machin. D'accord. Donc à nous de les faire taire d'entrée. Je suis convaincu qu'on va gagner ce soir. Si tout le monde est autant convaincu que moi. Allez, mec, on va gagner. Allez, faites son boulot, les gars. Allez. Esprit. Bloqué, l'a provoqué. Bien, monsieur. Bien battu. Allez, mon gros. C'est ta raquette. La balle elle est là, l'intérieur il est là, comment il peut passer devant moi là, il doit prendre un pain. Elle est arrêtée systématiquement, donc c'est facile de défendre. Le mec, il arrive à faire une passe ici, tranquillement. D'accord, on doit être sur lui. C'est maintenant, les gars, on est dans le championnat, là, ça y est. Oui. Merci. Vite, alors c'était à deux. À chaque fois, ça part avec un 3 points en plus. Oh, tu l'as détruit, frère. Oh, il y a des caméras, frère. Toute sa ville, Laura. Voilà. Merci. Voilà. Offensivement, c'est mieux. Plus de rythme encore. Sur la transit, la balle, elle fait ça. Enchaîner là directement, pardon, là, dans la remontée, renverser tout de suite et enchaîner pour courir. Ok. Bien, tout de suite, l'espace. Donnez de l'espace. Oui. Mais c'est vrai que c'est une bonne clim. Défense. 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 Oui.
On a été avertis, messieurs. On va devoir se tempérer maintenant. On va devoir se tempérer, y'a rien, on joue. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, je te le dis, hein, c'est la moustache la plus dangereuse de l'équipe. Là, il faut rentrer encore plus fort, les gros. Ah, direct. Encore plus fort. On a zéro pression, on est devant. On finit ce qu'on a commencé. On est devant, les gars. Par contre, le garçon, quand on s'emballe, il faut qu'on remette du rythme et de la discipline. Ok, d'accord. Les 2-3 ballons, Etienne, tu marques 3-3 points d'affilée si tu ne les mets pas. En vrai, y'a pas de jeu. Faut les faire défendre, quoi. Là, on aurait dû finir à plus 6, on finit à plus 4. On va pas assez vite dans les sorties de balles, d'accord, et dans le jeu de relance. Le mec qui a pris le rebond, c'est trop long. Défensivement, c'est plutôt correct, d'accord. Sauf qu'ils mettent trop de points sur des deuxièmes chances. Il faut les sortir de là-dedans. Je vous ai dit, ça va jouer dur, d'accord. Donc les mecs, ils vont vous taper, ils vont vous pousser. C'est à nous d'être solides et de répondre à ça. Un peu plus de qualité individuelle quand on amène la balle là-dedans. D'accord, il faut qu'il y ait du mouvement autour, sinon tous les mecs ils sont là. Derrière, lui il peut pas jouer et on n'a pas de solution derrière. Mettez du mouvement autour de ça, sur leur zone. Il faut agresser dans les intervalles, pas forcément pour tirer, même s'il y a des petits shoots dans cette périphérie-là. D'accord, mais pour ressortir les ballons, pour jouer avec les mecs qui coupent, à faire l'écart, je vais pas vous mentir, si on est 2-3 points devant ou 2-3 points derrière, à 5 minutes de la fin, ça va être chaud. Ça va être chaud. On l'a vu, ça là. Allez, allez. Franchement, j'aime bien, là. Je suis dans le rythme, en vrai. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... Pénétration, ça va. Shoot, j'ai pas encore pris, parce que j'en ai pas eu la possibilité. Mais ça va le faire, ça. Défense d'entrée, là. Défense. 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 Le 8, il prend plus un tir à 3 points. On y va. Regarde les cœurs, on va. C'est pour ça qu'on joue, allez. Let's go.
va à chaque action. Je peux pas me dire le contraire, vous me dites oui depuis le début et vous en prenez un. Mais c'est pas une question de moi, même s'il y avait 5 à 1, on n'est pas, c'est pas l'égalité qu'on cherche. On marque pas de panier, c'est pas grave, juste on défend plus. On est en retard surtout, là sur le 3 points, là sur la coupe derrière il est pas bumpé. C'est ce qui fait qu'ils mettent des points. Allez, esprit tue. Tue. Allez, dur les gars. Thomas, il progresse de jour en jour. Devant ou 2-3 points derrière, à 5 minutes de la fin, ça va être chaud. Attraper les points de rebond. Quand il fait ça, papy, là. Bon, on crie sa mère sur le dernier, là, le stop le plus défensif. Mec, on a une faute encore. Hein. Un div tout terrain, du contrôle sur ce qu'on fait. On switch partout. C'est le stop du match. C'est le stop. On y va. Allez, 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 allez les gars. Allez. Thank you.
et qu'il attrape la balle, on fait faute avant qu'il tire. On en a une à faire. Et on vient de l'aider. C'est bien, on est dans l'état d'esprit tout le temps. Ceux qui ont joué, ceux qui ont un peu moins joué, tout le monde a encouragé tout le temps. Je voudrais féliciter Thomas, parce que vraiment bien. C'est bien, ça avance. Et derrière, on reçoit Savigno, on va à Beaumarchais, il y a un gros truc à faire. Allez, il y a 3 victoires. Il n'y a pas d'autre mot, frère. Ils ont gagné de 2 points, certes, mais ils ont gagné quand même. Très beau match. Bravo, Franchville. C'est que de bon augure pour la suite. Non, très beau match. On n'est pas des habitués du basket. La fin a été assez serrée, je pense que vous allez kiffer l'épisode. L'équipe, elle a gagné. Les joueurs, ils ont fait leur taf. Il faut qu'on progresse tactiquement, par contre. Mais c'est de bonne augure. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, la MIF. Abonnez-vous, c'est important. En vrai, voilà, c'est un match de fou. Vous venez de voir un match qui était vraiment qualitatif. Donc j'espère que vous allez vous abonner, j'espère que vous kiffez la série aussi. Moi j'espère qu'ils ont eu des frissons parce que là... Parce que c'est ça, franchement n'oubliez pas d'ailleurs que c'est Raph qui vous fait des montages qualitatifs toute la semaine. Donc cette magie là, si vous pouvez la récompenser par un abonnement, c'est gratuit. Et un petit like aussi d'ailleurs les frérots, c'est important. Un petit like. Allez, bisous à tous. Ciao l'ami. À domicile, donc je répète ici, ça doit être la guerre, personne ne marque un panier chez nous. On perd de 2 points, on gagne de 3 points. C'est tout ce que j'ai à dire les mecs, match essentiel en vrai. Faut qu'on gagne, qu'on envoie un message fort à la poule.